Merde, on se les gèle ici. Brrr. Tiens, voilà quelqu'un. Salut! Tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Nahulbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, car personne n'en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne n'y est entré. Ah! Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour, bonjour! Hey, voilà l'elfe! Quoi? Eh oui, c'est moi. Mais qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Un nain? Eh! Mais quelle horreur! D'ailleurs! S'il vous plaît, ouais, commencez pas à vous battre. Voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez? Bah non. Tu viens pour le donjon? Certes, je suis le voleur. C'est quoi ça? Un monstre! Salut! Ah, mais qui voilà donc? Je suis la magicienne, et voilà l'ogre! Mais on comprend rien quand il parle! Je vous ferai la traduction! J'espère bien, parce que là. Salut! Ah! Tiens donc, un paysan! Je suis un barbare! Aucune différence! Aïe! Je crois que c'est ça la différence! Il est con! Tarlouze! Vous allez vous calmer? Bon, alors on dirait que le groupe est au complet. Est-ce que vous avez bien tous votre équipement? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches? Bien sûr qu'on a des torches. De quoi manger? Mais ouais, on a pris à manger. Est-ce que vous avez à boire? Et bien sûr qu'on a de la boisson. Est-ce que vous avez vos armes? Mais bien sûr qu'on a des armes. Ah, mais tu vas la fermer, oui? Aïe! Il est lourd, ce nain! Qu'est-ce qu'il y a? Il a envie de chier. Ah, c'est malin, il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Rudaf, Zog Zog. Ah là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papiers peints. Tu veux vraiment mon poing sur la gueule? Eh ben, puisque c'est comme ça, restez inculte. Notre ami bedonnant est de retour. Ok. Bon, bah j'aimerais bien rentrer dans le donjon, moi, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a 2 heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog Zog Akita. Au fait, quel est le but de notre mission? Je n'ai pas bien compris tout ce que cet homme encapuchonné m'a raconté. Moi, j'ai pris des notes. Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skellos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Eh ben... Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend. Des fois, ça parle de détruire le monde. Enfin, ça serait vraiment pas de bol. On entre. Qu'est-ce qu'il dit? Il a terminé son sandwich. Super. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore, la Uri? Il dit qu'il a soif maintenant. Ah, mais qu'il boive et qu'il nous foute la paix. Soloda glouglou. Ouais, parce que là, on perd du temps. Ah, j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Mais... Bon débarras. Une équipe pérave, un donjon qui ressemble à rien. Ah, ouais. Et le nain, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah, chiotte. Ah, touché. Oh, voilà quoi. Bien vu. T'as raison. Rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre. Moi, je vais ouvrir cette porte. Hé hey. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo. Ça va être discret comme entrée. Mais quel con. Oh. N'importe quoi. Regardez. Attention, ça s'ouvre. Vous voyez, ça marche. Ah bah, c'est dingue ça. Mes amis, la porte est ouverte.